Bonsoir tout le monde. Salut. C'est quoi cette voix? Welcome back. Salut. Ça va Jeff? Carrément. Ça va et toi David? Ah putain, ça faisait quoi, au moins 2000 ans qu'on s'était pas vu? Ah oui, les gens doivent être heureux de nous retrouver, je pense. Les gens, vous êtes heureux? Mais dites-le putain que c'est heureux. Mais dites-le que vous êtes heureux. Non, les gens ne sont pas heureux. C'est quoi ce bruit? C'est un canard. Qu'est-ce qu'il a fait à ce canard? Ouais, ça marche pas, t'inquiète pas. Brrr, ça, c'est un vrai bruit. Donc voilà, nous voilà de retour avec David pour refaire un peu de gaming. Ça vous a manqué, hein? Ou pas? Ouais. J'ai le son qui cut encore, ça me saoule. Mais non. Ça me saoule. Donc voilà, de retour après un été tonitruant pour David surtout. Un peu chaud. Qui a enchaîné les concerts. Ouais, oui. C'est bien. Bah oui, carrément. Et puis voilà, donc moi entre temps j'ai fait un petit peu de live, mais bah voilà, on a réussi à trouver un créneau pour David. Normalement on devrait en trouver d'autres. Hein. Oui, parce que du coup il lui va avoir de moins en moins de concerts. Alors cette période, c'est normal. Mm. Et puis voilà, donc on est heureux de vous retrouver. Et donc ce soir au programme, le jeu A Way Out. On avait déjà fait avec David, on avait déjà commencé le jeu, on n'avait jamais pris le temps de le finir. Ben, recentre-toi un peu vers moi, mon petit, pour être bien calé. Salut! Ah, mon petit Jean! Salut, oh, Out of Jean. Reality! Ah, les bons gamers juteux qu'on est! Ah, t'es gamer juteux, c'est-à-dire c'est... T'aimes ça, les gamers juteux poilus! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est... Quel est le sous-entendu... Hein? Ouais, c'est une référence avec la team du lundi sur Twitch, mais toi, t'es pas encore accro à Twitch, non. Mec. Voilà, tu comprendras... Non, moi, je suis vieux, moi, je suis en EHPAD, là, la tranche, là, au camping des vieux glands, là. Si tu suivais les streamers Mintos, Antoine Daniel, JDG, bah, tu comprendrais. Ah, oui. Bah, je suis JDG, mais plus... moi, je suis sur YouTube. Moi, c'est l'ère du Jurassique, hein. C'est paléolithique. Alors, en effet, Out of Reality, tu me parles de qui a codé ce joli bandeau défilant en dessous qui donne les informations. Eh bien, il se trouve que c'est toi-même. Donc, n'hésitez pas, si vous revoyez ce petit stream, que vous êtes sur le chat, d'aller suivre Out of Reality, qui est un excellent ami, mais plus que ça, qui est un technicien hors pair informatiquement parlant. Et il m'a créé, et il m'a aidé tellement de choses, enfin il m'a aidé sur tellement de choses. Et donc c'est lui qui a créé mes overlays du haut et du bas, donc merci à lui. Quel homme, voilà, donc, quel génie. C'est un génie, hein, Genius. C'est un génie. Je sais pas si vous vous souvenez du film, je me souviens plus du titre, merde. Avec John Travolta et puis Hugh Jackman, Opération, pas Estragon, mais... Opération Espadon. Non, je sais plus. Où on voit un hacker, et à chaque fois que je vois ce film, je dis « Ah putain, Jean, il a été casté pour ce film, mais il a jamais pu y aller, quoi. » Si, c'est Opération Espadon, t'as peut-être raison. Espadon, c'est ça, Estragon. Opération Estragon, c'est un restaurant italien. Ma, si, la pizza, la pizza. Opération Estragon, si. Oh, on est mal barré. Ma, la pizza, ça vous avait manqué, hein. Comment qu'on dit déjà? Ah, ça y est, il a trouvé, non. Arrête, c'est moi. Ah, touche pas, mon jouet. Mais je peux le faire, regarde. En live. Ouais, parce que je regardais. Et regardez. Ouais, tu m'étonnes, le test de barre de hacker. Oui, je vois bien avec Holberry, ouais. Ouais, je vois que tu connais le film. Holberry, très intéressant ce qui se passe. Ah ouais, c'est celle qui joue Catwoman. Catwoman. Bref. T'es là, on n'est pas là que pour rigoler. Non. On est là pour faire du gaming juteux. Juteux parce qu'il fait chaud aussi. A Way Out au programme, donc comme je disais. D'ailleurs, je tiens à dire que JDG et Seb du Grenier également sont en train de streamer sur le même jeu que nous ce soir. Je suis désolé, on était les premiers à avoir... Le copyright. C'est dégoûtant. Ils n'ont pas le droit de faire le même jeu que nous. Vous pouvez revivre... Ah non, j'ai supprimé mon stream d'hier parce qu'il était tout claqué au sol. Mais hier soir, j'avais dit, avec David, on jouerait A Way Out. Alors, mais ça se trouve, en fait, ils te suivent en secret. Frédéric pour Molas. Pour trouver des idées. Sébastien Razia, si vous regardez ce live, ce qui n'arrivera jamais, arrêtez de nous copier. Je sais qu'on est des exemples pour vous, mais bon. Ou pas. Ah, ça aurait été bien, t'imagines, une petite collab Team du Grenier ensemble. Ah oh, putain, sur Tortue Ninja, ça aurait été bien, là. A4, bim. Voilà. Bon, toi, mon petit Jean, ça va, j'espère. J'espère que tout va bien pour toi. N'hésitez pas, donc, je répète, à suivre Out of Reality. Mais également à le suivre. Voilà. N'hésitez pas à le suivre et également à le suivre. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est le suivre aussi. Mais si vous ne suivez pas, suivez-le.
Et en effet, il est en quête d'un nouveau boulot. Donc, normalement, il doit avoir son petit Twitter. Et remarque, Jean, n'hésite pas à mettre des liens si tu veux dans le chat. Hein. Mets des liens. Que tu dois avoir le droit de partager ce que tu veux. Si jamais ça peut aider. Bon, il n'y a pas grand monde sur mon stream, mais bon, à l'occasion, c'est jamais. À la limite, si tu vends une Clio, tu recherches du bois pour cet hiver. Tu poses des annonces. Je vends aussi un grille-pain signature Jeanne Masse. Rouge et noir, voilà. Et noir, évidemment. Rouge et cramé. Hein, voilà. Oui, il a fait un peu de voyage, mais non, c'est pas elle. C'est Desireless. Oh merde. Oh la culture. Bah, Jeanne Masse, Desireless, c'est le même combat. Ah voilà, le CV de Jean qui tue. N'hésitez pas à l'occasion. C'est vrai que c'est vraiment original. Et je pense qu'il y en a certains, comme tu disais, Jean, j'ai vu ce matin. Qui disent qu'on recherche de l'originalité dans les CV, dans les trucs comme ça. Toi, tu proposes quelque chose, les gens sont surpris à un moment donné. J'ai en slip. Bref. Voilà, suivez sur Twitch. Non, ça c'est moi, merde. Ah ouais, mais il m'a installé des bots. Encore, Out of Reality, mais j'ai pas l'habitude. C'est qui ce mec? Ben c'est moi, comment ça? Comment on dit c'est déjà? C'est qui Jeff Multiver? C'est pour... Enfin voilà, en tout cas on est content, moi je suis content de revoir David aussi parce que j'aime bien faire mes petits streams en solo, mais c'est vrai qu'avec David on s'éclate bien aussi. Donc ça fait plaisir de se proposer là-dessus. Là j'ai pas de problème de son Jean, je pense que ça a l'air cohérent, tu me rediras. J'ai l'impression que j'ai pas de coupure mais sur certaines scènes j'ai des coupures, enfin bref peu importe, ça marche. Enfin moi dans le casque c'est nickel hein. C'est clair. Voilà donc, ok merci Jean, c'est gentil. Tu vois, ça se passe bien. Et si jamais, je sais que c'est compliqué, mais demain, n'hésite pas si tu veux avancer au campus. Hein. Je sais que c'est un peu chiant. Il y a la route. Qu'est-ce qu'il y a au campus? Tu peux peut-être faire. Il y a la porte ouverte du foyer de jeunes, le campus à Luçon. Donc, si jamais il y a des gens de Luçon ou qui viennent sur ce stream et qui veulent venir faire un tour. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'y serai parce que j'ai un atelier musique là-bas. Donc, j'y serai quasiment toute la journée. Je pense vers 9h30. Venez voir le chef en vrai, à voir à quoi il ressemble en vrai. Ouais, un gamer juteux qui passe à drummer juteux, je peux te dire que là... C'est fantastique. Je pense que... Le petit canard qui va bien. Mais t'as pris ça. Tu veux pas faire une blague? Vas-y, fais une blague. Alors, c'est l'histoire d'un gamer juteux en fait qui rencontre un autre gamer juteux, mais bien claqué au sol, et ils font des fois des soirées en stream. Allez, la mise en scène, magnifique. Faire signer vos autographes. C'est juste... ça, voilà. Ouais, à part qu'il sait pas écrire, mais bon... Non, mais c'est olfactif. Un petit doigt dans le cul et paf, sur le papier, ça passe. Olfactif. Eh putain, j'ai chaud. Le jus commence à venir. Je sens le jus monter en moi. Sois pas inquiet, David, sois pas inquiet. Je vais peut-être y aller. Je me casse. Enfin, voilà. Mais putain, j'ai chaud. Donc, A Way Out. Et puis après, selon si on est bon ou on n'est pas bon, si on avance ou si on en a marre, on tentera peut-être un... Lego Star Wars, non? Un Lego Star Wars, ouais. Il baisse son front, et bam. Et là, oui, j'ai la ref. C'est pendant le The Event, le week-end dernier, il y a un streamer qui s'appelle Mr. MB. Il a pas arrêté d'imiter Bigard pendant... Et en fait, il avait fait une sorte de filtre. Où il mettait la tête de Bigard sur sa tête, puis il faisait des blagues, puis il arrêtait pas de faire je vois un mec, je suis Buzz sans froc et voilà. C'est bien. Bref. Mais j'ai la ref, carrément. D'ailleurs, là, je crois qu'ils sont en train de sortir les best-of. Ouais, j'ai vu un truc. Du The Event. J'ai vu ça sur le Twitter de Zerator, donc j'irai voir ça pendant mon boulot. Non, je rigole, j'ai pas... pendant le travail, je regarderai ça. Vas-y, comment il use de Mago XLR, lui. Ça touche pas à mon jouet. Hein. Enfin, je rigole. Voilà. Donc, tu sors beaucoup de la caméra, mec. Hein. T'as pas envie de t'approcher de moi. Je pense qu'il a peur de moi, en fait. Ou alors, je pue le rat mort. Alors, maintenant qu'on en parle. C'est vrai que là, vous avez le son et l'image. Oh, il vous le manque autre chose. Aïe. Donc, voilà. Bon, est-ce que... Parce qu'en fait, on n'a pas lancé le jeu. Alors ça se trouve ça va faire en fait, péter. On lance pas. Ça va peut-être faire péter le stream. Ouais, ce serait bien. Et du coup je suis repassé en 720p, genre au niveau de la diffusion, parce que j'avais fait 1080 hier soir pendant le stream avec les gars. En combien tu dis? Et ça a été complètement claqué au sol en fait. Donc du coup je suis revenu en 720, je pense que la résolution est plutôt honorable. En 720 FDP? Non, n'importe quoi. Putain il me donne chaud déjà, il muse. Allez un petit verre d'eau. Avec ma belle gourde.
Hellfire Club. Oui, on est ultra fan. Eddie Manson Forever. On est très fan. Eddie, si tu nous regardes. D'ailleurs, si Funko Pop nous regarde, merci de m'envoyer la Funko Pop de Eddie qui joue de la guitare. Tant qu'à faire, ouais. Bah, celle-là, en plus, elle est pas trop. Bah, elle est assez courante. Carrément, genre, le meilleur rapport qualité-prix. Carrément d'accord. Eh ben moi aujourd'hui j'ai acheté une Funko Pop. Ah oui, t'as acheté quoi déjà? La pochette d'Iron Maiden Power Slave. Donc une Funko Pop dédiée, la mascotte d'Iron Maiden. Ah oui. Et c'est bien, ça faisait 2 mois que je devais la chercher à Geekopop. Ouais, à la faute. À la faute sur mer. Ouais. Que bah, j'y suis allé aujourd'hui. Je sais parce pas que si voilà. J'ai le visuel, attends, Geekopop. Tiens, voilà. Regarde. Hey, le mec est organisé. C'est là, c'est là. Oh, il est disparu. Tiens, on fera un petit clip. Tiens, fais un petit clip. Vas-y, monte ta tête et dis bonjour à Clémence et Pauline. Et Marine, pardon. Voilà, on fait de la pub pour vous, les filles. Je sais pas si c'est vraiment. Je sais pas si ça va les aider. Donc voilà, c'est vrai qu'on connaît le magasin. Ah, ça va, Cyril? Ça va, mon pote? Attends, je. Hey, on est là! Oh faut que j'enlève le visuel. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça va, Cyril, merci. Et toi? Week-end? J'ai vu que tu faisais un salon ou je sais pas quoi, j'ai un truc comme ça, non? Impec? Ouais, très cool. Ça se passe comment à Nancy? Fait toujours aussi chaud? Ouais, il y a de la neige maintenant, c'est bon, non? Ah, ça y est, ils sont passés en hiver. Il y a de la neige, des pingouins, des ours polaires. Donc voilà, non, oui, Geek ou Pop, donc t'avais acheté une figurine de Iron Man Maiden. Ouais, une pochette d'album Power Slave, une pochette un peu égyptienne. Yes. Super album d'Iron Maiden. Attends, est-ce qu'éventuellement on peut la montrer? Attends, je tente un truc. Attention, live. Google est mon ami. Attends, je vais vous le montrer après. Là, je fais de la merde. Non. Ça saurait si c'est de la merde. Attends, parce que le clavier, il est loin. Une pop de quoi, Iron Maiden? Iron Maiden Power Slave. Power Slave, c'est important. Est-ce que tu veux en avoir? Ouais, Power Slave, je la vois là. Où ouais. Ça? Là, au milieu, Power Slave. Power Slave. Power Slave. Voilà, c'est celle-là, voilà. Je vais me mettre comment? C'est quoi ma scène? Je sais pas. En haut. Voilà. Alors, c'est lesquelles? C'est celle-là, ouais. Voilà. Ça, là? Voilà. Ah, tu t'es acheté cette merde. Ouais. Voilà, on voit rien, mais... Ouais. Ah. Ah, dégage. C'est de la pub. Fils de pub. Changer. Ça, là? Voilà. Ok. J'en avais pas des grandes comme ça parce que j'en ai pas beaucoup. Ah, c'est une 10 pouces? Ouais. C'est ma première 10 pouces. D'accord. Voilà. Ok. Hey! Geekou Popov, yo! Salut! Hey, on est en train de nous faire de la pub! Allez, vas-y! Ah, bisous les filles. J'espère que vous allez bien. Merci pour. Ouais, on était en train de faire de la pub pour vous il y a 2 secondes quoi. Ouais, vraiment. Attends, j'arrache. Elle était en train de dire, allez pas chez elle. Parce que déjà, elles sont pas fuite-fuite, surtout une. Elle s'appelle Clémence, elle est. Et allez acheter plutôt sur Amazon. Voilà. Donner de l'argent à Jeff Bezos. Allez pas à la faute sur mer. Non, t'es fou. Allez, je remets le petit visuel parce que comme elles sont là. Voilà. Geek ou Pop. Voilà. Magnifique. Donc n'hésitez pas. Elles sont super gentilles. Et en plus, elles ont du bon matos. Enfin, elles ont beaucoup de choix. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc d'ailleurs, cette casquette vient de chez eux, de chez elle plutôt. Ouais, tu parles bien la France. Ouais. Ah ouais, si tu sais qu'est-ce que je te dis. Qu'est-ce que je fais? Donc voilà, petite promo pour les filles, pour Clémence et Marine. Voilà. Donc la pub est faite et voilà. On parle de nous et hop on est là. C'est vrai, j'avoue. Ça fait plaisir. Merci de venir faire un coucou d'ailleurs. Bah, la Lorraine, ça fait loin en effet pour aller à la faute sur mer, Cyril. Ah, oh, mais justement, il faut. Voilà, ça, ouais, ça change. Bon, en 2 coups de rame par la Seine, ça passe quoi. Le mec qui connaît bien. Tu prends l'autoroute à Niort, tu coupes à Bordeaux, t'arrives à Melun, et dès que tu vois le panneau Marseille, tu t'es vraiment planté. Avec plaisir, les filles, pas de problème. Bon, attends, David est en plein spectacle là, non, c'est bon. J'arrête. Est-ce qu'on fait un peu de jeux vidéo? On attend encore non. Un peu. Là on dit de la merde. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à raconter? Est-ce que t'as de l'actualité, concert, musique à nous annoncer toi? Et pas pour Nancy parce que vu que Cyril il est à Nancy il s'en fout quoi. pour le coup des concerts en Vendée ça serait bien. Ouais. Justement avec mon groupe Acoustic Things tiré de la série Stranger Things hein, ouais. Notre intro de concert c'est l'intro de Stranger Things. On joue le 23 septembre, vendredi 23 septembre à Apremont. Ouais. Au restaurant Le Cabanon.
on mange très bien, les pizzas sont bonnes. Sinon, on va faire. À la limite, taper sur internet Acoustic Things officiel. Il y a la même page Instagram, Facebook. Et puis, on va jouer à Monkey Place à La Roche-sur-Yon. D'accord. Et... toujours avec Acoustic ? Voilà. Voilà. C'est quoi qu'on y joue ? Le vendredi 21 octobre, yes. On joue à La Roche-sur-Yon, Monkey Place et Hôtel Mercure. C'est gratuit, venez, hein, voilà. Et puis pour la région des Sables d'Olonne aussi. Tu joues on joue quand juste avant Noël, le 17 décembre, on y joue. D'accord. Et je crois qu'on y joue aussi le. Un autre jour. Je sais plus. Mais regardez les dates sur internet. Ouais. On a quelques concerts en Vendée, c'est gratuit. Vous êtes, c'est sur Facebook que t'as les éléments. Facebook et Instagram, je publie sur les deux. C'est moi qui publie sur les pages. Ouais. C'est moi qui suis community manager. C'est moi le patron. Quoi. C'est moi qui dis on joue là, venez, c'est sympa. Allô. Ah, c'est vrai, Jean. Ah, c'est excellent. Qu'est-ce qu'il dit? Non, il dit qu'il y a Bob Lennon, c'est un streamer très connu dans le monde du streaming. Il sera présent à La Roche-sur-Yon le 15 et 16 octobre. C'est quoi comme event par contre? La Roche. C'est Game La Roche. D'accord. Attends, on va aller voir. D'accord. C'est aux Oudéry. Ah oui, bah oui. Ah oui, ouais, on vient de voir. Attends. Ouais. Attends, je vais passer, en écran deux secondes. Bah lui, il a fait plein de trucs avec JDG. Bah ils se connaissent bien, ouais. Ouais. Alors je connais pas les deux autres par contre, mais. Caster officiel League of Legends, d'accord, ok. Bah toi, c'est à La Roche. Alors tu m'as dit que c'était quelle période? On a dit le 15-16 octobre. Le samedi 15 octobre pour des dédicaces et des photos pour le plus grand bonheur des fans. Il donnera également des conférences. Ah, c'est cool. Nono Gardou, je connais pas après. Le reste, je connais pas tout. Ok, mais merci pour l'info, mon petit Jean. Et toi, tu participes, mais tu fais quoi déjà? Tu m'avais expliqué, je sais plus. Je sais plus ce que tu m'avais dit, ce que tu faisais précisément. Ah, mais c'est cool. C'est bien ça. Mais par contre, c'est où qu'ils font ça? Je vois deux conférences. Sur la scène Virgin Radio, alors ça c'est un attends, truc. Attends, qui sommes-nous? Non, on s'en fout. Où c'est? Animation. Tu sais où ça se passe, Jean? Attends, Jean va peut-être nous le dire dans le chat. Ah, des Oudéry. Aux Oudéry à La Roche. Ah, c'est écrit? Bah, là. Je vois pas. Là. Ah, ouais, pardon, Parc des Oudéry, ok, là. Ici. De toute façon, il n'y a pas trop d'autres endroits à La Roche-sur-Yon où ils peuvent faire ça. Ouais, Parc ouais. Des Expos des Oudéry. 15-16 octobre 2022. Ok, découverte de la création de jeux vidéo amateurs. Ok, d'accord, Jean. Bah en fait, c'est une espèce de festival manga. Ouais. D'accord, ok. Ok. Bon, bah c'est bien. Il y a des cosplays, figurines, découvertes de métier. C'est cool. Bah, carrément. Et puis, moi, en ce qui me concerne, je vais faire un petit peu de promo aussi. Mais juste, nous, on joue avec les Bobbies samedi prochain. Ah oui, un gros prochain. Truc. Ouais, enfin, oui, avec Yastrolade notamment en tête d'affiche. Atelier Tordu, c'est un festival qui s'appelle Bam au cochon à la Rabatelière. Donc, ça va être trop cool. Donc voilà, si vous êtes dans le quartier, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Bon, on va peut-être game là un peu là. Donc là, on va tester. Je vais lancer le jeu et c'est là qu'on va voir si le PC part en PLS ou pas. Donc, il se barre là, plein le cul. On va jouer à A Way Out. Ça y est, le jeu, je le lance. Il y a des micro-coupures de musique, c'est chiant. Voilà les infos et puis voilà on va game. Enfin si ça veut. Allez. Tu passes par le PC là, oui c'est ça? Ouais gamin. Parce que j'ai bien double cliqué. Oui c'est bon, ça va se lancer. Collection à origine. Ça va se mettre en route. En attendant, je fais une danse. Oh non, ça y est, il va user du game. Non. Je suis pas comme ça. Alors, où es-tu, jeu? Ça avance. Le jeu est-il là? Ah, je vois que ça commence. Il y a un engin. Ah là là. Alors, c'est pareil, il va falloir se remettre dedans parce que pour le coup... Ouais, je sais plus quel personnage on avait derrière. Moi, je pense que j'avais le même que... Parce que j'ai déjà fini une fois ce jeu. Donc, il y avait Vincent et puis... Et Gérard. Non, Vincent, ça, je crois que je... Et l'autre, je sais plus comment il s'appelait. Yes. Du coup. Jouer en local. Non?
Là, on peut continuer. Ouais, on continue. Ouais, tu sais, on était en train de... Donc, pour ceux qui connaissent pas le jeu et encore un peu plus... Et encore un peu plus ceux qui connaissent pas et qui voudraient en savoir un peu plus sur ce jeu, c'est globalement... Alors, ça se passe un peu dans les années 70. C'est deux personnes qui se retrouvent en prison, qui n'ont rien à voir. Alors, je crois qu'il y a dans le tas, il va y avoir un ancien flic et puis un espèce de trafiquant ou un peu un voyou, un loubert. Et en fait, pour un intérêt commun, ils s'échappent de prison. Donc le jeu, c'est un jeu coopératif, c'est-à-dire que un petit peu comme ce qu'on avait fait avec It Takes Two, ouais, carrément. C'est-à-dire que t'es obligé de jouer à deux, t'es obligé vraiment de l'aide du partenaire pour faire une action. Et notamment là, tout ce qu'on avait fait, c'était l'évasion de la prison. Ouais. On s'était barré de la prison, ouais, hein, carrément. Parce qu'on est des fous, quoi. Et là, en fait, on s'était arrêté après 2-3 heures de jeu, peut-être. Ouais, à peu près, ouais, je pense. Ouais. Et là, en fait, les flics nous cherchent parce qu'on s'est cassé de la prison. Ouais. Je parle du jeu, attention. Hein. Pas IRL. Voilà. In a real life, mec. Hein. Non, parce qu'ils nous cherchent toujours, les flics. Non, c'est sûr. Donc là, on était dans les fourrés en train d'essayer de les semer. Et moi, justement, ce jeu, j'ai déjà fini. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment, le jeu prend une tournure assez étonnante. Parce qu'après, la phase... où on s'échappe de la prison, ouais, c'est plutôt cool, mais c'est assez en... Ouais, c'est Prison Break, voilà, on va résumer comme ça. Ouais, à part qu'on a personne à le carte tatoué sur le dos. Et là, donc, par moments, t'as des espèces de scènes comme ça de flashback où les deux, donc les deux protagonistes... Moi, je pense que je suis celui de... De gauche. Ouais, j'aurais dit ça, moi. Ouais, moi, je suis à droite, moi. Ouais. Vas-y, décale-toi à gauche. Ah, attends. Marche. De quoi? Ah oui, c'est deux fois Jeff Multiverse. Ah oui, c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fiche, allez, hop. Voilà. On s'en fout. Donc moi je suis Vincent Moretti, toi t'es Léo Caruso. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Allez. Donc là normalement on doit être dans des fourrés. Ouais. En train d'essayer de semer des flics. On n'avait pas après... Il n'y a pas une histoire de ferme, on était après ça. Non, franchement je sais plus où on en était parce que... Attends, on a joué ça, c'était l'hiver dernier. Il y a des mois. Ouais. C'était bien... Ah ouais, toi on est toujours en train de semer ces flics. Yes. Donc en fait ils nous cherchent. Bah là, l'idée pour le coup c'est un petit peu d'être discret. C'est ça. Et vous me dites si le jeu est assez fort. Si c'est bien, donc si là, vous nous entendez bien. Donc là si... pour le coup je pense qu'il va falloir que lui que je le... Ah oui. Alors. Ah oui, je pense que regarde. En fait l'idée c'est qu'il faut qu'on les... on les chope en même temps tu vois. Attends. Ah non, faut que j'aille de l'autre côté. Voilà. Ouais. Et en fait je pense qu'il va falloir qu'on les... Hop. Ah ouais. Qu'on les neutralise en même temps sans qu'ils donnent l'alerte. Yes. Parce qu'on veut pas retourner en prison. Parce qu'en prison, c'est pas cool. La prison, c'est mal. Donc t'es obligé de grimper là. Yes. Donc toi, t'es Léo, celui de droite. Yes. Moi, okay, je suis Vincent. C'est pas mal niveau son, à part que vous avez des voix de merde. Pas gentil. Par contre, faudrait que je... Tu me dis quand t'es prêt. Attends, parce que attends, j'ai pas la touche encore. RT, c'est ok, c'est. Bah, RT, c'est, RT. Putain, je suis pas. R1 habitué. Quoi. R2. Oui, c'est R2 ouais, en fait. Oh putain, ouais. Oh les boulets de la PlayStation. Bah non, c'est des manettes Xbox, c'est de la merde. Non, faut pas dire ça. Ah, dis pas ça à Jean, mon pauvre. Et là, bah, slash. Bah surtout si c'est ça se passe en prison. avec les savonnettes, tout ça. Bref. Est-ce que t'es prêt? Ouais. À 3, 1, 2, 3. Je suis pas prêt. Hey, oui. J'étais pas prêt. Je stressais. Je suis stressé. Ah, reprends les bonnes habitudes, hein. Ah, hey, ça vous a manqué. Promis, j'ai rien bu. C'est tout. Il l'a dit, Jean. Les meilleures manettes du monde, c'est... Ouais. Allez. Je préfère ma PlayStation. Allez. Promets que là, j'essaye de mieux faire. Alors, faut que le sacré débat. Moi, en vrai, je les trouve bien, les Xbox, mais les PlayStation me dérangent pas non plus. Hein. Bah, moi, j'ai toujours joué sur la PlayStation. Donc, oups. Oui. Pardon monsieur. Tu veux pas te baisser là? Non, tu peux pas te baisser, remarque toi. Désolé. Pardon. Ah non, c'est là le pitch. Vas-y. Excusez-moi. Ouais, c'est... Oh, oui, c'est le truc Helium là. On n'a pas le temps de jouer à ça. Faut game. Est-ce que t'es prêt? Donc à 3. 1, 2, 3. Appuie rapidement sur quoi? Bah X. Il m'a baisé encore? Ouais. Et ce jeu est de la merde, sortez-moi FIFA tout de suite là. Non, je rigole. Non, ouais, faut que je me remette dedans. Faut se remettre dedans, voilà. J'en allez, on y va. Complètement bidon. Allez. Ah non, c'est que j'ai du mal avec les boutons moi. Bah putain. Pareil, moi j'ai pas l'habitude. Alors.
En vrai, on peut peut-être brancher les manettes play, ça marche sûrement. Hein. Non, mais ça fait. Alors, bah attends. Attends. T'es prêt? Attends. Je suis prêt. Ah ouais, je vais peut-être l'acheter le NBA 2K, genre. Il a l'air trop bien. 2K? Et j'attends d'être sûr que ma carte d'acquisition fonctionne avec les consoles et je pense que je l'achèterai sur PS5. Allez, bonhomme! 3, 2, 1, go! Voilà, bah yes, on y arrive. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On leur fouille le. Non. On leur baisse leur froc et. Pardon. Mais c'est Jean qui m'a mis ça mais en tête. Mais qu'est-ce que vous faites comme truc exactement là? Parce que. Hein, parce que. Non, mais à la limite que vous voulez vous explorer le trou de balle. Bon, je veux dire, c'est. Non, mais je juge pas les gens, on est en 2022. Ah, un petit peu quand même. Un petit peu. On a le droit de se faire. Ouais. Regarde, j'arrive près de toi, regarde, j'ai pas peur. Mais je me casse, ouais. Toi, t'aurais dû rester en prison, tu te ferais plein d'autres potes. Et bam, bam. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'arrive pas. Ah, j'arrive pas. Brrra. Ah, ouais. Alors, X. Alors, faut que je te grimpe dessus. Ouais, vas-y. Quoi? Allez, action. On n'a jamais été aussi loin dans le jeu. Oula. C'est bon, t'es. Oula. Je me mets à l'aise parce que. Vas-y, vas-y. Surtout, j'essaie de planquer mon anus. T'es toujours dans le game, c'est bon. Donc là, il va falloir être discret, c'est pas mon sport. Hein. Too risky. I say we take that guy out. Take his car, cross the bridge. Alors. What are you crazy? Don't like heights, man. Okay. Ah, j'avoue que j'ai une idée de merde là. Pardon. Alors, passer sur le pont, passer sous le pont. Ah mais, en fait, faut choisir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe sur le pont ou on passe sous le pont? Ah. Allez, je te laisse choisir. Hein. C'est toi le patron, hein. Attends, je... Oh. Allez, on dit passer sous le pont. Allez, hop. Oh, il s'est appuyé, ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça sent bien l'idée de merde. Ouais, bah si c'est l'idée que j'ai eue, c'est forcément l'idée de merde. Alors. Donc là, je pense qu'il y a l'échelle. Attends. Ah. Ok. Je peux pas descendre, moi. Alors moi je descends. Voilà. Et c'est bon. Ah, qu'est-ce qui se passe? Attends-moi, attends-moi. X. Ah oui, d'accord. Ah. Ok. Non, c'est cool, regarde. Là, c'est tranquille. Bon, je pense qu'il va avoir à un moment donné des trucs. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Faut sauter là? Ah oui, faut sauter. Ah. Voilà. X, ça c'est quoi ça? Là, qu'est-ce qui se passe? Traverser le pont. Ah oui, X, okay, d'accord. Ouais, c'est pour s'accroupir. Allez, hop. Allez, bonhomme. Voilà. I'm not really a fan of heights. Oh, ça va. Okay, I'm not gonna look down. Oh shit, I'm looking down. Regarde pas en bas. Regarde pas en bas. Allez, hop. Quand on se baisse là, ok. Toi qui a fait le bon point là? Ouais, t'inquiète mec. Attends, y'a un hélico. Par contre, ce qui n'a pas changé, c'est que David ne m'attend jamais. Mais c'est ce qu'on appelle de la cop, c'est bien ça. Non, parce que c'est, je te montre la voix. La voix du Seigneur. Voilà, parce que les voix sont impénétrables. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, bon, tu crois? Croix, ici là. Non? Hein? T'as une croix toi là? Non. J'ai rien moi. Ah oui, il y a une croix là. Ouais. Non, c'est pour s'accroupir. Traverser le pont. Alors attends. Attends, on est vraiment des boaltringues. Des boaltringues. C'est peut-être pas là-bas, c'est peut-être de l'autre côté, non? Bah là, je pense. Ouais, regarde. Allô, en face. Là, là. On a été en face là? Non. On a pas encore fait. Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est malin? Ah. Je me casse. Faut que je vienne t'aider, peut-être. Oui, bah non oui. Non. Franchement, en IRL, je leur ai laissé tomber. Hein. Pour le coup, faut faire quoi? Mais faut pas aller par là, là? On n'a pas été par là, si? On vient de là. On vient de là? Ah, pardon, excuse-moi. Le mec. Ah oui, t'as raison. Oh, je fais vraiment que de la merde. Et là, allez, tiens, viens faire la courte échelle, là. Ah putain, c'est allez, ça. Viens, bonhomme, là. Allez. Bien vu. Bon, c'est surtout là. C'est le jeu qui me l'a montré. Hein. Ok. Et là, je fais quoi, moi? Ah, je fais rien.
Ah oui, d'accord. Annulé. Shit. That's a huge drop. Why are we doing this? Pour le coup, tu vas peut-être faire. Peut-être tu vas pouvoir me faire. Ouais, on va voir. Ouais, parce qu'il doit se passer un truc là. Ouais. Je pense que tu vas ouvrir. Ouais. Tu dois ouvrir. Va à l'autre côté. À gauche là. Puis tu dois faire peut-être un truc ici pour m'ouvrir la porte. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, puis là je pense qu'il faut que... Maintenir RT. Ah ouais, parce que là à mon avis, ouais, faut que je saute. Ouais. Et que tu me rattrapes. Je suis prêt. Oula, je doute. T'as confiance? Attends, Y. Ah, c'est Y. Ah, c'est quoi ces touches de merde? T'as confiance ou pas? What are you doing over there? I can't do this on my own. T'es prêt? Bah ouais. Tu es prêt? Ah ouais, faut que je saute. Attention, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ouais, tu vois que tu peux faire confiance. Ouais. Allez, allez bonhomme. Bah faut aller par là, je pense. Ouais, hein. Ouais. Allez, let's go. Là, attends, peut aller là, là. Ah oui, là, faut, à mon avis, encore faire. Hop là, allez, on fait caca. Ah oui, il y a des gens au-dessus. Oh, les blaireaux, on est là. Hey, shit. What is it? Come over here. Oh, shit. Steady. Ah ouais. Il ah, y a du monde là. Il du... faut pas faire de bruit. You think they could have come that way and come over the other side? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? No, I don't think so. It's a really big drop and the currents in the water are too strong. Really? Trust me. I've been hiking up here for years. Maintenir RT, pourquoi? Take my hand, I'll help you. Ouais. Vas-y, prends ma main et prends la mienne. Let's go. Les cloches à sonner, ça signifie. Oh là. Là, je pense qu'il faut faire un truc. RT. Ah oui, OK. Oh là là, ils se tiennent la main, c'est mignon. Ah ouais, c'est mignon. C'est mignon. Et là, faut faire un truc. Allez, X. This is the way out. Yeah. It's a way out. T'as vu, il l'a dit. It's a way out. It's a way out. Ok. Y'a peut-être un truc par ici qui permettrait de casser le verrou. Alors, un slip. Un slip sale peut-être. Un slip sale devrait pouvoir permettre d'oxyder le verrou. Oh, une hache. Ah, on sent l'expérience. Bon là, à mon avis, il faut que t'ailles péter le truc. J'y vais. Oh oui, oui. Peut-être c'est toi qui as l'hache, c'est pas moi. Ouais. Dommage que je peux pas te la mettre sur la gueule. Là. Pardon. Ouais. Sinon ça se passe bien en ce moment. La soirée va être longue. Ah ouais. Peut-être aller gerber moi. Hey. Ça c'est un sacré coup de balle. Gotta be careful. Ah, y'a quelqu'un derrière apparemment. Ah, faut faire quoi? Alors, je vais... Attends, ouais, vas-y ouais. Alors. Ça sent la courte échelle là. Ah, c'est pas impossible. Ouais, allez hop. Ah! Let's go. C'est beau ce qui se passe. Et moi, bah écoute, je reste là. X. Ah ouais, je dois t'attendre, je pense. Oh, la maîtrise technique de l'étouffement. Ah! Ah! Bah ouais, je pense que je... Ah! Attends, c'est peut-être normal. Ah, je peux plus bouger. Sinon, je suis mort. Ah ouais, attends. Est-ce que j'essaye de bouger? Non, non, non. C'est dans le scénario, je pense. Y. Ah, je peux dire quelque chose. Donc, je pense qu'à mon avis, je vais... Yes. Je vais faire un petit peu comme un concert là, après la chimo. Je vais revenir en... Je vais revenir donc là. Allez gamin, faites lui la gueule. J'ai foutu. J'ai peut-être plus trop de longtemps. Ouais, ouais, c'est ça, en fait tu veux me faire crever quoi. Non mais vu tes tendances, je pense qu'il faut que tu retournes en prison te faire des potes. Oh le nulos. Oh le nulos. Oh le nulos. Stop right there. Je l'avais pas ça enregistré. Oh les nulos. Ah ouais. Oh. Ah tu sais pas faire ça. Ah non, on est dans le game là. Là je suis en train de perdre David là. Ou je suis en train de me perdre tout seul. C'est ça voilà. Pardon. Bon, je vais essayer de t'aider même si je pense que tu le mérites pas vraiment. Elle fait ça bien quoi. Allez tiens. Allez tiens Robert. Allez bim. Allez tiens. Allez je baisse le pantalon et bam. Et là là là. Tu l'as niqué. Oh putain les chiens. Ah. Saute. Là faut courir. Ah peut-être qu'il faut faut pas se faire bouffer le cul par les chiens. J'avoue.
se passe là. Ah, là à mon avis il faut courir. Ah bah ouais, mais y a un bouton. Ah. Ils sont tout seuls. Ah non, bah non, mais vas-y. Ah, je vais me faire bouffer les couilles. Ah, pour cette TCA, de toute façon. Ouais, mais si j'avais pas vu le bouton. Allez, madame. Y'a pas le mode rétroviseur. Ah, ah. je me suis fait. XX, ça. Ah. Bon, bah. Oh, t'étais mal parti, et pour ça, je me ferais mourir. Allez, madame, là. Oh merde. Ah, faut que je la refasse. Ah, ça y est, je l'ai niqué. Allez, ouais. C'est, pour info, c'est pas bien la violence sur les chats. Là, les chiens. Je pense qu'il faut que je te rattrape. Ah, j'ai raté le bouton. Ah, c'est vrai que. Y'a pas que le bouton que t'as raté. Allez, madame, là. Allez, je vais. Allez, hop. Maintenant que j'ai repéré le bouton, ça va être bon. Et je pense qu'il faut que je te rattrape. Oh, c'est trop beau. Et là, il s'empale. Allez, RT. Ah, c'est vachement bien fait, hein. Et là, poum. Voilà. Dans les couilles. Bien, gamin. Et là, il baisse son pantalon et BAM. Non. Slash. Pardon. Non, mais je sens que tu maîtrises beaucoup plus que moi. Mais non, mais parce que j'ai regardé The Event, moi, monsieur. Eh oui. Eh oui, monsieur. Bibou. Je sais plus ce que j'ai enregistré. La blague est valide. J'ai le mental d'une babouche. Ah bon. Allez. Ah. PG. C'est pas faux. Mais bon. Just tell him this is the deal. You either take it. Ah man. Tu m'achètes Kylian Mbappé et je te vends Jeff. C'est vachement donnant. Ouais. Non mais toi, tu tireras peut-être en char à voile. Ouais. Harvey. Par contre, c'est pas nos personnages, ça. Nous, on est où dans l'histoire, là? Je pense que ce mec-là, c'est lui après que les deux autres ont. D'accord. Je pense que c'est lui le méchant. Bon, parce que nous, on est les gentils. Pardon. Oh putain, c'est fatigant. J'ai une semaine très difficile, je suis fatigué. C'est pas une excuse, je suis débile aussi. Look, Sean. You need to find him. Okay? But I'm not sure the men we have right now are my problem. You just need to find him. You got it? I don't give a fuck how. Just make it happen. Vulgaire, t'as vu hein? Un petit peu, ouais. Sur un stream qui demande aucun gros mot. Ah bon? À peu près. Okay. D'accord. Ah oui, bravo. Bravo, bel exemple. LPG, on va faire comment maintenant pour aller en char à voile? Alors. Kylian, il va après aller en scooter. Une chaleur de juteux, là. Bon, ils sont toujours dans la forêt, là, les deux, là. Ils vont aller chier dans les bois. Pardonnez son langage. Ah, oh, t'as vu, c'est beau, hein. T'sais, ils vont faire Brambach Mountain. Comment tu dis? Brambach Mountain. Brambach Mountain. Bah bon, vous m'avez compris, quoi. T'sais, c'est les cow-boys qui s'aiment beaucoup. I'm hungry. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? I even miss that shitty food we got back in the joint. I wouldn't say I miss it. Bon, bah, faut descendre, je pense, hein. Ouais, yep. Aïe, j'ai tombé. Anyway, let's head on. We should find something on the way. Je sais pas si on peut courir. On a un peu, tu sais, on a pris un sur le. Attends, ce que je veux dire. Ouais, je joue sur le joystick. Exactement. Je t'ai perdu? Oh bah, je descends. Hein. Il y a un petit cours d'eau là, tiens. J'arrive, let's go. Let's go. Aïe. C'est beau, hein? Ouais, le jeu est propre, hein, franchement. Ouais. La dernière fois qu'on avait joué à ce jeu, d'ailleurs, j'avais mon ancienne carte graphique. Et je me souviens que ça avait complètement ramé parce que ma carte là, était trop limite. Qu'est-ce que ça dit là? Et là, c'est vrai que là, ça a l'air de bien tourner avec ma nouvelle carte. Donc je suis plutôt content. Oh, ça a l'air d'être un peu. Ah non, d'accord. J'arrive pas à courir, moi, sa race. Hey, help me out. Ouais, j'ai peut-être besoin de toi. Hey,
chier. Oh, ça c'est de la cope. Ah. Allez. Bravo, gamin. Allez, voilà. Ouais. Je sais pas si la webcam est peut-être un peu trop grand. Ouais, non, pour le stream. Bon, ça a pas l'air de vous déranger. Ah, vous le dites, c'est là. Donc là, je crois qu'il y a un campement pour choper des trucs. D'accord. De manière illégale, bien sûr. Hein. On sort de prison, hein. On est des punks. Des punks sans chien. Alors. Ah là, faut peut-être pêcher, je crois, là. Ah ouais, cool, j'adore la pêche. Faut choper du poiscaille. Allumer un feu, pêcher un poisson chacun. Et on pêche avec une canne à pêche? Non, je crois que c'est un peu à l'ancienne. Hein. D'accord. Je fais des remous. Et je t'envoie les poissons vers toi de toute façon. Excuse-moi. Mais après, on fait quoi? Je sais pas. Attends, on est mal organisé là, je pense. Ils sont où les fucking poissons là? Bah là, dans le petit cours d'eau de merde. Attends, faudrait les isoler. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et là, à partir de là. Vas-y, jette-toi dessus! Après. En fait, à part faire de mots, à part faire des remous, on n'a pas d'autres actions. Attends, y'a pas un truc à ramasser ou qu'on a loupé, non? Attends, peut-être vérifier. Attends, deux secondes. Désolé. Oui, donc on en était à la pêche. Je me demande pas s'il faut pas. Je sais pas si on les pêche à la main ou si on choperait pas un truc. Attends, je veux faire le tour, y'a pas un bout de bois à ramasser? Bah ouais, j'aurais dit, ouais. Attends, je regarde, attends. Je check autour. Attends, bah déjà je vais allumer un feu, hein. Déjà ça. Ouais. C'est toujours ça de bien, hein. On a besoin. Ah, faut peut-être trouver du bois. Ah, attends. Ah, faudrait qu'on se fasse un jour un jeu de survie aussi, ça pourrait être sympa, ou construire un camp, tout ça. J'ai vu un truc fabriquer un harpon. Ah, où ça? Attends, il y a des bois à ramasser. Qu'est-ce que ça? Poser. Voilà, attends, moi j'ai des brindilles. Ah, bah attends, moi je vais fabriquer un harpon là, attends. Ouais, bah très bien, ouais. Mais moi les brindilles, c'est peut-être pour le feu. Ouais, exactement. Par contre, t'es où? Je suis perdu. Bah, je suis pas loin là. Bah, pour le coup, maintenant j'ai un harpon. Alors, attends, reviens. Ouais, je m'en vais pas du bon côté. Ouais. Là. Ouais, à gauche, non? Gauche. Oui, j'y vais. Gauche. Oula! Gauche, là. Là? Bah, monte. Droite. Je suis pas parti si loin que ça. Bah, si. Ah, gauche, ouais. Là. Là. Top. Bah, traverse, hein. Ouais. Parce je pense que normalement c'est bon. Yes, désolé. Et puis ben là, ben, le feu, ben voilà. Je pense qu'il faut que je souffle à la limite tout autour. Ouais. Et du coup, t'as fait un harpon pour poiscaille. Bah, j'ai fait un harpon, donc je pense que là, on va pouvoir pêcher. Voilà. This should be enough wood. Je pense qu'on a assez de bois. Ok. Ben, attends. Où c'est que t'as fabriqué ton truc, toi? À gauche, là. Ah, ok, ça marche, pardon. Là, pour le coup. Voilà, et moi je souffle. Là, c'est bon, le feu est parti. Dame, sans doute. Bon. Just a little more. Ah, voilà. Et là maintenant, on peut harponner. Yes. Il y a un petit poisson là. Schla. Ouais. J'ai eu. Bien, voilà. Faut le mettre sur le feu. Allez voir. Ouais, il y a des chances, ouais. Allez, accélère. Ah, mais il s'est pas marché dans l'eau, mon personnage. Il a peur. Il sort de prison en même temps. Hein. Alors. Est-ce que. Ah, ouais, faut le faire cuire comme ça. Ok. Yes, maintenir.
un petit poisson. Il faut le faire cuire en 3 plombes ou quoi? T'en as pas chopé un encore? Bah ils sont rapides, puis je pense que tu... Oh le Nilos! Tu leur as fait peur. Non, non, non. Par contre, je veux pas le faire cuire pendant 3 plombes. Faut croire que si. Oh le jeu de survie quoi. Toujours en train de chercher mes poiscailles. Il me saoule moi avec mon poisson là, bouffe-le. Non? Attends. Pourquoi il l'a reposé? Oh, attends. Voilà. J'ai rien compris. Ah bah attends, je vais en pêcher un autre. Je vais en pêcher un autre. Petit, petit, petit. Et je pense qu'à deux, c'est plus simple parce que ça permet de... Voilà, très bien. Ah, j'en ai un, de moi Dieu aussi. Ouais. Voilà, merde, bim. Alors, c'est bon. Bim in your face. Bon bah pour le coup, on s'assoit près du feu puis on se raconte des blagues. Alors, c'est l'histoire. C'est un canard et là, il met son pantalon et bam. C'est ça? Voilà! C'est ça, c'est la bonne blague! Allez. Voilà. Ah, voilà, ok. Allez, en fait, il fallait que je t'attende, surtout, je pense. Oui? C'est ça, un jeu de coop? Ouais, sauf que tu m'attends jamais. Ah, moi, j'ouvre la voie. C'est beau, hein? That tasted like shit, c'est pas mal. Well, you know, it is what it is. Yeah? Yeah, man! And my fucking feet hurt. Ah, what about yours? Ils vont se proposer de se faire des massages. I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice. D'accord, d'accord. Intéressant. By the way, what are you in for? Something I didn't do. Ils ont des anus. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Yeah. Yeah, yeah, sure man. I believe it. What about family? You got any? Do you know Jeff Multiverse? Yeah. A wife. I hope. I hope. Me too. Okay. And a kid. Alex. 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 Yeah. Alex kid. Fucking missing man. Yeah, I hear you. C'est une référence gaming, hein? Ouais, carrément, ouais. That piece of shit Harvey's gonna get. Encore mis sur le so? Non, pas du let's tout. Go after him. J'ai juste mis un léger effet. Look, bitch. Vincent, I need to know what your story with Harvey is. Alors, qu'est-ce qui se passe? Okay. Okay, écoute Vincent, All right. Je crois que notre histoire d'amour ne pourra pas donner quelque chose de bien. Depuis que la Queen is dead, je sais pas pourquoi je pense que c'est ça. Je suis la reine d'Angleterre. Money was easy. Yeah. Harvey just kept coming in with more and more cash. Attends, j'écoute ce qu'ils disent. Je ah, mais ça me peaufine mon anglais. He killed my brother as a warning. After that, I lost it. Make me crazy. I planned on killing him. Yeah. But the son of a bitch pinned it all on me. Bitch. La bitch. I was convicted for the murder of my own brother. Yeah. À la famille. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. That's fuck. It's rough. Yeah. Sorry. So, what's your story with Harvey? Harvey, c'est celui qui a buté les deux Qataris là. Ah, ok. Maybe we're gonna... Wait. Oula. Hop. Planquez-vous, planquez-vous. We're closing in. We gotta move. Ah, my fucking feet. My fucking bit. Don't worry about it, I got it. Il a beau vos pieds. Faut qu'il ait un podologue. Un piédologue. Alors. Fucking. Écran noir. Alors que nous avons Black atteint. Strain. Nous avons atteint l'heure de jeu. Enfin, pas de jeu, de. Allez! Je veux du jeu, je veux du jeu, je veux game. Donc, bah, il faut aller tout droit, je dirais bien, hein. Figures. What are you implying? Well, how should I put it? You're kind of uptight.
T'as pas pris le même chemin que moi, mais... On est là. You're welcome. Ah oui, d'accord. You know what? What? You're actually the first guy who worked in a bank that I've talked to. Là, il y a une ferme et tu préfères... Would you look at that? Par là, progress, Leo. On est par là. Allez, hop. Faut descendre en tout cas. On est tout droit, on est tout droit. Là, je pense qu'il va falloir choper une bagnole. Ouais. Let's check it out. T'es où? Ah, t'es là, ok, d'accord. Donc là... Faut que tu maintiennes avec moi, mec. Oui. Let's go. Let's gong. T'as des spasmes? Ah, il y a Simon et Robert. Eh ben, on va leur voler leur voiture. Bon, lui, il a un flingue. Oh, yuff. Je suis la reine d'Angleterre. Pardon. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. They'll get a taste of old Betsy. Donc là, faudrait essayer de pas se prendre un coup de fusil dans le cul. C'est à peu près le niveau, en effet. Il a pas l'air fin, quand même, Gérard. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. On sent que le mec, il a fait l'armée. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. I don't like it. Get him out of the house. What do you have in mind? Je vais acheter une caisse. See that barn over there? Yeah. Ouais. We release the horses. Ouais. Release the horses. How's that gonna help? Trust me. La diversion. Il est con, Léo. C'est pas faux. Il est un peu comme moi, quoi. Il est un peu con. Libérer les chevaux, maîtrise. Non, libérer les chevaux. Hein. Ouais, on va libérer, allez, libérer les chevaux. Allez, on va libérer les poneys. Sure. Whatever, man. Let's try. Okay, come on. Prêt? Prêt? Let's go. Crap. Bah, faut ouvrir. Ok. Est-ce qu'on va faire ce qu'on va prendre une poule? How do you know they got horses? Alors. In there? C'est du niveau, non? What else should they have? Still, you sound so sure. Faire le tour, peut-être. Il y aura peut-être une fenêtre. Yeah, I do. Hey, look up there, an opening. Maybe we can find some way to reach it. Bon, il y a une fenêtre là, non? Attends. On peut faire. Bon. Non? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Libérer les chevaux, attends. On est où là? À prendre l'échelle peut-être là? Il y a une échelle, ouais. Je t'ai pas suivi du tout. Ouais, il y a une échelle, je la prends. Voilà, et je pense qu'avec l'échelle. Ouais. Il faut que je. Il y a peut-être une fenêtre d'ouverte là. Mais je... ah, ça va être ça, à mon avis. Ouais, là-haut. Ouais, ok. Bien vu, gamin, bien vu. Alors, moi, je suis un cambrioleur. Hein. Ah, je vois ça. Ouais. Et là, pour le coup, je pose l'échelle. Bah, faut que j'y monte, hein, forcément. Ah, ok. Est-ce que tu peux monter? Bah, monte. Ah, ouais, j'arrive. Ok. Donc là, on rentre en effraction. Ok. Alors, faut faire sortir les chevaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Là, faut prendre l'escalier, bien sûr. Voilà. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui. Bon, là, il faut ouvrir le machin à bourrin. Hein, voilà, le cheval, il est là. Y'a qu'un seul cheval? Je sais pas, t'en vois d'autres, quoi. Non. Freedom for all, right? Bah, y'a qu'un cheval. Y'a qu'un chevaux. Donc, je suppose qu'il va falloir ouvrir la porte. Y'a pas la deuxième là? S'il y en a d'autres là. Y'en a trois en fait. Voilà. J'ai rien vu. Laisse-moi. Tiens, bah vas-y. Libère le cheval! Ah! Voilà. Viens là, joli tonnerre. Là, il va falloir ouvrir la porte de là. Peut-être à deux, je pense. Ouais, j'arrive. Non? Ah. Now we just need to scare him out of here. Bah, les faire fuir. Faut leur claquer le cul, peut-être, non? Come on, get on a quoi là? Ah. Non. Il a pas voulu bouger. Il doit avoir une cravache. Ou un truc. Maybe this will work. Don't you want to be free? Nope. Not loud. Pas bouger, ils veulent pas bouger. Il est... y a pas un truc. Il doit avoir un truc quelque part pour les faire. Alors, t'es pas une cravache, mais. Bah ouais, attends, je regarde. Time to move.
Non, ça marchera pas. Attends. Là-haut, il y avait rien de spécial. Ben, bah, faut faire un tour. Ouais. Alors, je vais aller voir là. Bah, allez, va faire un tour. Là, il y a des bottes de paille, on s'en fout. Rien. Un marteau. Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir? What's wrong with this lamp? Enfin, un disque de diams. Come on, you piece of shit lamp. Pourquoi il me fait toucher la lampe, lui? Ah. Ouais, je pense que ça sert à rien. C'est juste... juste pour faire repérer, c'est tout. Je vais aller voir là-haut. Can't open this one. Il doit y avoir un objet qu'on doit choper quelque part. Vincent. Attends, je vais voir dans les boxes s'il y a pas un truc. Tiens, j'ai quelque chose là. Faut que tu viennes avec moi là-haut. Ah oui, faire tomber la bétonnière. Ouais. Et je peux pas le faire tout seul. Ouais, j'arrive, calme-toi. Let's go. J'arrive, je te vois. Ah ouais, je sais. Ça fait peur au cheval. Alors, X. Allez, on y va. Bon, c'est bien joué ça. Diversion. Ah ouais, c'est le first man, ouais. Didn't we lock the barn? Of course I did. Come on, let's go. Ah, il se doute de quelque chose quand même. Il est pas con, papy. Non, mais c'est des vieux. Ah, mais il est pas con. See, I told you. Yeah, let's just hope these horses keep. Bon, pour le coup, faut aller dans la baraque, c'est ça? Changer de vêtements. Ouais. En fait, l'idée, c'est faut aller dans la baraque, changer de vêtements, et puis aller au pick-up, ça prend la bagnole, puis on va se casser en bagnole après. Ok. Let's go. Alors, ben, on rentre dans la maison, bonjour. Faut peut-être aller dans la chambre pour la cuisine. Aller où la chambre? Elle est là-haut. Tiens, toi, tu vas mettre une robe? Ouais, carrément. Hey Leo, there's a wardrobe here. Let's change. If only the cell beds were this comfortable. Ah non, on s'en fout de ça. Et putain, mais... Ah! Denis Brognard? Tu vas foutre. Je me change tout seul, je veux pas qu'il me voit tout nu. Voilà! T'es changé? Ça ira, je suis changé. The shotgun might come in handy. Je suis changé. Changé. Et toi, t'en es où? Moi, je glande. Changer de vêtements, t'as changé où ça? C'est quoi là? Ah, je peux griffonner le tableau. Ah, ok. Changer de vêtements. C'est triste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conneries à faire? Moi, j'aime bien faire des conneries. Un truc de carte là apparemment. Allez, j'ai changé de vêtements, c'est impeccable, je suis beau comme une... C'est bon? Bon, on va au pick-up. Ouais, let's go. Parce qu'ils vont revenir la ticket-tac là. Ah, le pick-up il serait où? Le pick-up il doit être là. Faut suivre les traces de pneus, je pense. Lancer des fers à cheval, on s'en fout de ça. Bon, je pense que... Faut suivre les traces de bagnole. Donc je pense que ça va être... Ok, d'accord. Ça. À deux. Yes. Bien vu. Bien vu, bien alors. Vu. Alors. Oh my god, it's a piece of junk. Yeah. It's not that bad. What do you mean it's not that bad? Not bad, man. Hey, it's even missing wheel. Nah, I'm sure there's a spare around here somewhere. Bah, trois roues, ça marche. I don't know, man. C'est vrai qu'on trouve facilement des roues. Sherby's running on foot. Let's fix it up. Ah, sauf en Angleterre. Time. Oh, fine. Hein? Trouve des roues en Angleterre. Yes, merci mon petit Jean d'être venu nous voir, nous supporter. Et tu es resté bien trop longtemps. On se tient au courant pour dimanche éventuellement. Hein, donc gros bisous à toi et puis à très vite. Jean, merci. Bon, faut changer une roue, je crois. Yes. Ah, faut trouver une roue pour le coup. Pardon. Clé en croix, bah, je vais prendre une clé en croix déjà, non? Alors j'ai une clé en croix, est-ce que tu trouves une reine roue? Une reine roue? Let's find something to lift the car.
Ok, ça c'est pour soulever le pick-up après, d'accord. Est-ce qu'il y aurait vraiment une roue dans le coin? À l'étage peut-être? Bon, il y a un escalier. Bon, je vais jeter un coup d'œil. Ah, les mecs sont en cavale, ils cherchent une roue. Super. Bisous, mon petit Jean. Bon, j'ai pas besoin de cette merde là pour le moment. As-tu trouvé une roue? Bah non. Ah, il y a une roue là. Ah. Ça marchera pas. Ah, pff, putain, la vache. J'appelle la police. T'es en haut? Ah, attends. Je te laisse checker là-haut ou pas? Ouais, bah je... Alors, il y a une grue, mais... Je jette un œil dehors. Où c'est qu'il faut avoir une roue? Là, y a rien. Est-ce qu'il y a une roue dans la voiture, non? Must be something around here we can use to lift. Bah oui, mais ça pour soulever le pick-up, ça c'est pas compliqué. Non. Attends, je suis en train de chercher ailleurs, moi. Remarque dehors, il y a peut-être. Donc là, non. J'entends les chevaux. Ouais, bon, ils sont en train de se balader avec, avec Jean-Claude et Monique. Bon, il nous faut une roue. Bah ouais, carrément. Après, il y a un truc que je peux faire, c'est que tu as une grue en haut qui doit servir à bouger le pick-up pour. Ouais, alors attends, j'arrive. Parce qu'il y a peut-être. Attends. Ah, remarque, elle est peut-être. Attends, j'arrive, je reviens. Il y a sûrement un truc à se faire là-bas, ouais. Ça se trouve, c'est peut-être le en dessous qu'elle est la roue, j'en sais rien. Il n'y a plus d'essence, mais j'ai repéré où était l'essence. Bon, alors attends, t'es là-haut? Ouais. Try. Alors. Ouais. Alors, j'ai une clé en croix. Bon, la clé en croix, je vais la poser à côté parce que ça me fait chier. Il y a peut-être un truc à faire avec ça, ouais. T'avais vu que ça déplaçait le crochet? Ouais, ouais, mais je pense que c'est pour soulever la voiture. Enfin, tu peux pas venir t'y accrocher, toi? Je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi qui te ferait passer de l'autre côté. Prendre la barre, attends, ils me disent de prendre. Non, j'ai essayé ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pour après. Pour après, ouais. Remonte avec moi, juste voir si t'arrives à choper la. Ouais. Le crochet ou pas? Ça se trouve pas du tout, hein. Ça mérite d'être tenté. D'avoir une action à faire de toute façon. Alors. Est-ce que le crochet, ça... Tiens, tu vois, je te l'avais dit. Ah. Recule. Non, ouais. Non, c'est pas le bon bouton que t'as fait. Bah, j'avais que ça. Si, t'avais un truc avant d'afficher. Retourne là-haut. Tu vas voir. Si tu l'as pas vu. Bonjour. Retourne. Remets-toi juste en dessous le crochet. Tu vois, il y a un bouton jaune sur le crochet. Avance doucement. Avance. Encore. Hop, voilà, X. Ah, c'est pour m'accrocher dessus. Voilà. Ok. Il y a peut-être un truc au bout, tu vas voir après. Amène-moi de l'autre côté, ça se trouve de l'autre côté il y a un truc. Oui. J'essaye de trouver dans quel sens faut le faire. Donc,
D'accord. Yes. Hop, c'est bon. Ok, et là, je vais trouver quelque chose à mon avis. Oh, genre une roue. Yes, tu vois. Ouais. Bien vu. C'est ça le truc. C'est bien, madame. Une vraie cop. Là. Non. Bon, il est en train de trouver un pneu. Hop, il a trouvé un pneu. Ok, alors pour le coup, la barre de fer va servir à soulever. La barre de fer. À soulever avec le. Par contre, ouais, je pense que je peux descendre comme ça pour le coup. Ouais. À soulever le cul du machin. Ouais, ouais. Et donc, puis, là, même avec. Et on va caler le bout de bois en dessous. Il y a un rondin de bois qui est au cul de la voiture. Ouais. Quand tu prends le bâton, moi je veux prendre le rondin. Le rondin ? Ouais, voilà, tu vois. Quand t'es prêt, tu soulèves et puis. Et puis. Il veut pas prendre le bout de bois, attends. Non, non, mais je pense que. Non, le bout de bois, il n'y a rien à faire. Mais ah, ok. Je pense qu'il faut que tu ailles prendre la roue. Il doit pas être loin. La clé ? Ouais, et puis la roue, bah. Ok, compris. Compris, compris. Ça va, tu galères pas trop ? Bon, bah, moi, ça va, j'appuie sur une touche. Alors, la roue, elle est où ? Bah, elle est tombée. Là. Ah, donc je pense qu'il y a après ce que tu veux faire, c'est que tu as la putain hier. J'y vais, puis il y a la clé en croix après. Ça marche ? Ouais, ça se fait tout seul. C'est bon. Ok, now we just need to screw in. Bon, bah. Attends, faut serrer. Faut que je soulève peut-être, je pense. Non, non, faut que je serre. Faut que je serre le boulon. Mais moi, faut que je soulève. Ok. Encore une fois, je pense. Il y en a peut-être 3. 3 ou 4. Ah, c'est cool, là, les mecs, ils ont plus qu'à soulever ce truc. Ah oui. Attends. Voilà. Voilà. It's not gonna work. We gotta lift the car first. Let's go. All right. Now we can roll it at least. Pousser. Ah. Alors je vais pousser. Tu pousses ? Non, je pense qu'il faut être de l'autre côté, ouais. Avance. Oh les boulets quoi. Did you let go? I didn't let it go. Did you let it go? No, I didn't. Eh, let's go get it. Pour le coup, je conduis. Ouais, ouais. Mais y a pas d'essence, je pense. Ah, faut mettre de l'essence, t'as raison. Je sais où est l'essence. Ouais, bah vas-y, va chercher de l'essence. Mais il nous demande pas, non, attends, je vais aller voir. Jumper cables, perfect. On va ouvrir le capot et regarder ça. It's connected. Try to start the car now. Essaye de démarrer, Eddie. Ouais, j'arrive. T'as fait quelque chose, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Apparemment, il a dû remarquer qu'il n'y a pas d'essence, je crois. Couper du bois, on s'en fout. C'est là l'essence. Jerrycan d'essence. How handy. J'arrive. Après on va essayer le coup de la batterie je pense. Ouais, attends, stop. Alright, the tank is full. What's next? Merde, il a dit quoi, j'ai pas fait gaffe. Oh bah là va falloir donner un coup de clé. T'es prêt? It's connected. Connecté. Non? It actually worked, this piece of junk. Yeah. Bon on va falloir se casser parce que l'autre va nous tirer dessus, l'autre connard. Pourquoi tu fermes la porte, débile? Genre que tu le rouvres. Il est con ce personnage. Ah ouais, remarque. Ils ont l'air inquiets.
Are the police on their way yet? Yes, they'll be here any minute. Okay, I'll go take care of them. No, just stay here. It's all right. Just wait here. I'll be fine. Bon, y'a Gérard qui veut nous garder le cul. Oh shit, take cover. Merde, merde, manette en main, manette en main. Il est chaud, papy, là. Ah bah ouais, si, c'est un Texan. Hein. Go, 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 go. Elle conduit bien. Ça, c'est un autre délire. Et toi, par contre, va falloir que tu tires. Ouais, c'est ça qui est le plus grave. Je sais pas viser. Il a pas conduire non plus, donc de toute façon... Oh, le gamer juteux. On va mourir. Ouais. Alors, bon... Bon, mais toi, tu vas à quelle heure du flic hein? Ouais, bon, on va essayer, hein. Je sens la manette qui vibre. Pas moi. Ah ouais? Parce qu'il m'inquiète, c'est qu'il va falloir que je vise. Bon, il va falloir que je conduise, de toute façon. Alors, freiner. Putain, c'est impossible. Alors, moi, j'accélère, je freine pas, hein. C'est chaud patate là, je vois rien de ce que je fais. Quand même. Bon, tu peux les buter. Attends, je recharge. C'est bon, j'en ai eu un. Alors parfois, moi, je mets pas mon clignotant. Allez, bam. Oh là là. On va se faire des potes dans le côté, moi, je te le dis. Attends, j'y suis presque. Mais non, mais... Oh putain. Oh, je recharge, Ouais, c'est tendu, putain. Il nous calarde le cul, là, ma gueule. Allez, bam là. Hey, mais tu tires dans les pneus, je sais pas. Non, mais hey, franchement, c'est chaud. Ah, là, c'est... Voilà, j'en ai eu un. Trop tard. Ouais. Ah yeah, merde, yeah. C'est chaud, putain. Bon, allez, on y va. En vrai, c'est chaud. Non, mais non. Mais j'ai pas tout compris dans les tirs, oh, bah, en fait. Oh, bref, je suis pas ça. Je fais très bien. Allez, on y va. Allez. Allez, on est mieux parti là, je pense là. Ah, c'est bien là. Ah, je recharge. Bah, ils s'entretuent eux-mêmes, les débiles. C'est des flics hein. Ouh, oh putain. Oh, c'est beau ça. Putain, la vache. Ils sont vénères, je sais pas pourquoi. Allez, allez, allez. On y arrive. Je suis perdu, je recharge. Allez, bonhomme, tire dans le cul là. Enfin, devant, mais. Oh. Ah, j'en ai eu un autre. Ils sont en colère, hein. Ah, putain. Recharge. Bon, bah, Gérard, alors, allez, dégage alors. Tiens le coup. Oh, le camion. Allez, hop là, le barrage. Oh, le bordel. Oh, je vois rien. Ah, il y avait Scooby-Doo qui était là avec sa camionnette. Alors attends, c'est quoi? Oh, c'est la merde là, mon pote. Oh putain. Oh non de Dieu, c'est la merde. Oh, on est passé. Allez, mais allez, c'est parti. Allez, on prend. Allez, dans les champs. Je suis en train de tomber. Ça va? Ça va, allez, à l'arrière. Ah, parce que là, c'est un ravin. Là, on meurt là. Oh, le bordel. Oh, c'est chaud. Ah, j'ai eu le pneu. C'est bien. Côté. J'ai eu la manière, c'est bon. Oh putain, mais nom de Dieu. Dégage. Allez, vas-y. Ouais, c'est bien. T'es vénère. Oh là 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 là. Oh putain. Oh non. Oh putain, c'est chaud. Yeah. Ouh. Allez, on y va. On va être Kevlo sur le niveau là. Non, c'est bon. Allez. On a bien avancé. Ouais, allez, hop là. Allez, on y va. Mais... Ouais, c'est normal. Ah oui, normal. Ils nous remettent là. Okay. Ouais, on barre. Allez, faut que je remonte dans la bagnole. Ça va, heureusement qu'ils ont lâché une part, on est pas obligé de tout refaire. Non, c'est cool. Je vais passer par là. Putain, il y a trop vite. Là, je vais prendre par là. Putain, merde. Accélère, mec. Accélère. Je suis perdu. Putain, je vais dire, voilà, je sais même pas comment je m'en suis sorti. Je sais même pas. J'ai fait une marche arrière. Ah, putain, ils sont où? Je les vois plus. Ils sont devant là, putain, dégage. Ah, je t'ai baisé. Allez, c'est bon, putain. Je t'ai baisé, je vois rien, j'ai pas le temps de recharger. Si, allez là. Allez, on reprend la route. Le tunnel là. Attends, on va prendre le tunnel, c'est bon. Allez, on prend le tunnel. Ah, putain, mais dégage toi. Je l'ai eu. Oh putain, le bordel. Ah, c'est chaud.
Recharge vite, putain, crétin. Lapin. Vas-y, tiens, tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup. T'es marre. Eh mais c'est... D'ailleurs, ben d'ailleurs. Le sketch. Bon, attends, allez, bon. Respirons, respirons. Ouh, on s'éclate. Allez, on y va. Allez, ah ouais, on reprend là, d'accord. Ok. Bah c'est bon, c'est avant le tunnel je pense. C'est ça. Oh putain mais dégage. Ouais c'est cool, on a avancé au moins. Oh là là, je me fais défoncer. T'as l'autre le tas debout et comment, je sais pas comment il tient debout hein. Allez recharge vite. Ah c'est bon, ah c'est pas mal, pas mal. Ok cool. Allez dégage, allez là, c'est bon. Il en reste. Ah je pense, on les a semés. Je sais pas. On est pas trop mal là je pense. Je pense qu'on est pas trop mal, ouais. Il y en a une autre, il y en a une autre. Ah non, ils arrêtent. Bon, allez, on va reprendre les petits chemins encore, ça te dérange pas, hein. C'est chaud. Oh le bordel. C'est du tir au pigeon, quoi. Bah, trappe. Recharge, recharge. J'en ai eu un. À mon avis. Ah putain. Oh le jump. T'es sûr de toi? I believe I can fly. And I believe I can touch the sky. Think you when you my name. Spin my feet and fly with me. Allez en route, tourne sur la route là. Vite, 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 vite. Oh le bordel. Je l'ai eu, je l'ai eu. C'est chaud. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, les Hers. Ah, oh, les c'est malin. Bon, ça, c'est dans la... Je crois qu'on va prendre la rivière après. Ah, c'est ça, cause toujours. Eh, c'est ça, Simone. Eh, va t'acheter une perruque. Bon, je pense qu'il faut aller dans la rivière. Faut trop réfléchir, à mon avis. Y'a pas un bateau à prendre quelque part? S'enfuir. T'es où? Bah devant, je suis derrière, t'inquiète pas. Okay. X, peut-être. X. Ouais. Allez, allez, gamin, pousse, pousse. Ouais, c'était marrant. Ouais, c'était par cool. Contre, ça, je voyais pas ce que tu faisais en conduite. Ça, bah, devait, être drôle. Ça devait être drôle à ouais, voir. Ouais, aussi. Ouais, ouais. Moi, je t'avoue que c'était un peu fouillis, j'essayais de viser comme je non, pouvais. C'était bien. Il y avait de l'amour, il y avait de l'amour. Ouais, c'était cool, c'était marrant. Mais c'est vrai que je trouve que à partir du moment qu'il sort de prison, ça devient vraiment original. Le jeu est chouette, hein. Ouais, carrément. Bon bah là, voilà. Alors c'est qui rame, c'est toi? Moi je rame. Ah ouais, faut qu'on... Allez, attends. Hey Vincent. Ah, il faut que je... Ouais, c'est... Ouais. Tu restes à droite, là-bas, ok. Bah, ouais. Tu passes à gauche ou à droite? Ouais, je sais pas. Bah, là, faut se décider. Voilà. Voilà. Les boulets. Et à un moment donné, il va y avoir des rapides, forcément. Yes. Là, pour... Ouais. Quand c'est comme ça, on va tout droit, c'est ça? Ouais. Bah, on va à gauche là. Ouais, ouais. Sinon, dans les deux cas, il y a des rapides. Hein. Yes, on y va. On y va, on y va, let's go. Alors, doucement, 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 rame-moi, rame-moi. Pour que je redresse un peu. Arrête de ramer, arrête de ramer. Hey Vincent. Yeah. Voilà, vas-y. Think there aren't any bears in these woods? There are probably bears in these waters, Leo. Ça s'accélère. On va où? À droite, gauche? À droite. Vas-y, rame alors. Plutôt, plutôt, plutôt. À gauche, à droite plutôt. Ah, ouais, non, là on fait demi-tour. Bon. À l'envers, à l'envers. Comment ça se passe là? On est à l'envers, on est d'accord, hein. En fait, on est le jeu. Qu'est-ce qui se passe là? Comment? Ah oui, c'est. On pourrait voir hein, ce qui se passe devant. Voilà, merci. Allez, bon. Voilà, bon. Allez, on reste comme ça.
On va péter le bateau, on va péter le bateau. Non, ça va, ça va. Merde, merde. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, ah non, c'est moi qui fais de la merde. C'est pas évident, hein. C'est moi qui fais de la merde. C'est pas évident, hein. Non, j'avoue. Mais c'est drôle. Encore, encore à droite, à droite, à droite, mets-toi à droite. Voilà, c'est bon, on redresse. Voilà, on, reste, on essaie de rester à droite. Enfin, ouais, ouais, attends. Enfin. Allez, danseuse. Non, je me trompe de côté. Pousse le mur, pousse le mur. Enfin, pousse le mur. Hey, watch out, some rough streams up ahead. C'est chaud, mais c'est ouais, marrant. C'est, ouais, marrant. C'est marrant, ouais. Oh la vache, c'est chaud. Ouais, oula. On est baissé, on est baissé. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, le bateau part en sucette, ouais, messieurs. Ça va. Le Black Pearl est en dérive. Gauche, 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 il dit. C'est pas, qui êtes-vous? Voilà. Si je me jette dans l'eau et que je nage. Bah vas-y, jette-toi. Jette-toi. Bah, il était cool, il est pas un truc un peu comme ça, là. Bon, pour l'instant, ouais. Le bateau a pris un petit peu un petit peu du plomb dans l'aile. Bon, pour l'instant, on reste un peu au milieu là. Ouais, ouais. Ça part en cacahuète totale, messieurs dames. C'est parti. Bienvenue à Splash Mountain. Oh putain. Eh. C'est pas mal. C'est pas mal. Vire, vire, vire. Eh, je suis à fond, je suis à fond. Je sais. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas trop trop mal. Oh, on a fait trop, on a fait trop. Non, ça passe, non, ça passe, ça passe. Oh putain. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Merde. Pas mal. Pas mal, on a pris pas trop mal, pas trop mal, ouais, ça. On a pris la mesure du ça... truc un peu. Oh là là là. Droite, gauche, droite. Ouais, non, merde. Ah. Trop tard. Ouais, on juste a... au moment où on a pris la mesure du truc. là, là. On a maîtrisé le truc. Oh putain, là, là ça va passer dans un trou de slip. Oh là 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 là. Ouais, là, là, t'as raison. Oh, ça va être chaud, mais ça va être. Oh putain, ça passe. Quel talent. Ouais, allez, allez, ouais, comme ça, allez. L'autre côté, l'autre côté. Putain. Oh, ah. C'est bon. Cinématique. C'est bon. T'as vu la fin là, faut sauter là, mon ami. Mais voilà. Attends, il y a un truc. Oh, bah, moi je suis comme un connard. Bon bah au revoir. J'arrive. Ouais, je pense parce que là je suis dans le caca. J'arrive, hein. Ah ouais. Quand tu veux, mec. Ouais, bah ouais. Je suis là, je suis là. Et quand au moment où tu vas me toucher, ça va tomber. C'est sûr. Ah. C'était une brêle. Non, mais c'est fait exprès, je pense. Là. Allez, faut que je grimpe. Oh, la mise en scène. Je peux faire plus là. Je suis là. Oh, c'est beau. Magnifique. Là, je trouve que le gameplay a ouais, carrément. C'est okay, vraiment c'est sympa. Hyper sympa. Hein. Bien original, ouais. Let's get out of here. All right. Ouf. C'est beau. C'est pas ouf. Alors, continuons la voie. Qui joue? So, what happens now? Look, I know what you're thinking, but going after Harvey won't be easy. I'm going to go after Harvey. But I'm going after him, with or without you. You want to end up dead? I want him gone. He's a cold-blooded killer. The world yeah, be a better place without him. Yeah, I like potatoes. Huh? Harvey. You never told me, Leo. What is your story with Harvey? Before
Il a voulu m'explorer le trou de balle. Ah, d'accord, ok, bah je comprends. Voilà. C'est un moment cinématique. Ouais, carrément. Are you serious? The diamond? Diamond, how the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. C'est des gros mots, hein. So what happened? Everything was going our way. On a eu un acheteur. But that greedy fuck had other plans. Allons-y, ici. Oh là là. Flashback. Flashback, quoi? Ouais, c'est un flashback, ça. Il lui raconte, en fait, comment Harvey lui a... Pourquoi, en fait, globalement, il en veut à Harvey, parce que je pense que Harvey, c'est un bâtard. Jay, il tue des Qataris, mec. C'est pas cool. Donc ça, c'est Léo, avant, qui se fasse, on va dire, agrandir le colon par Harvey. Harvey. Salut. Moi, j'ai des gaz, et toi? It's all there. Count it. C'est Harvey. C'est pas moi qui bouge. C'est à table qui est mouvé. Looks about right. Change de tête. Alors, of course, you can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. En même temps, c'est des gangsters, hein. On peut pas trop, voilà, sur eux. Here you go. Ah, oh là là, on sort les flingues. What do you think? La haine. Heavier than I thought. It is. Look, pensais. Un peu comme ma. Ah, bravo. Pleasure doing business with you guys. You too. Hey, il a tué. Give me the case. What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo. Hand it over now. Et voilà, il l'a doublé. Harvey, c'est un. It's nothing personal. It's just business. Give me the briefcase. Business is business. Ah. Et là, il lui roule dessus. Fin du jeu. Ouais. C'est qui, Léo? En fait, Léo, ça m'intéresse. Oula. Et il a failli lui rouler dessus, hein. C'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il en veut Harvey. Next thing I know, ça va. I'm surrounded by cops. That's rough. I'm sorry. C'est vrai qu'il a fini en prison. Trust me. He's the one who's going to be sorry. I'm making things right. C'est moche, hein. For me and for my family. For me and my family. So you know where Harvey is right now? I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. So? What are we waiting for? En tout cas, je suis content qu'on ait repris avec ce jeu parce qu'il est vraiment top, hein. Non, il est vraiment cool. Ouais, quoi. Ouais. J'ai vu qu'on a, on a fait It Takes Two et que c'est le, en fait, c'est le même studio qu'à... C'est ça. En fait, ils ont commencé avec ce jeu-là. Qui d'ailleurs a pas eu un, enfin, un succès d'estime, mais autant It Takes Two, c'est vraiment un jeu qu'on a vu partout à sa sortie. Autant ce jeu-là, il est resté un petit peu... En deçà. Je vais pas dire confidentiel, mais... Ouais, bien sûr. Et en fait, le jour où j'y ai joué, c'était vraiment complètement par hasard. Et d'ailleurs, je connaissais vraiment pas ce genre de jeu en coop total. De toute façon, déjà, c'est pas un truc très répandu finalement. Non, et en fait, avec le côté des doubles cinématiques, avec le côté des doubles écrans, ouais. Et le côté très cinéma en fait, du délire. Et là, c'est vrai que ça enchaîne sur une grosse séquence animation, enfin cinématique. Quoi. Ouais, ouais. Il y a un côté un peu histoire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Sugar Rush. Don't go too far, Alex. Donc ça, je pense que c'est la femme de Léo, comme ça, avec un vieux avec un béret derrière. Ah oui, non, d'accord. Okay. Ouais. C'est sa femme. Je crois qu'à un moment donné, dans le film, il y retrouve là. Ils habitent dans un mobilhome, un peu dans un... Tu sais, comme dans ce qu'on voit dans plein de séries, comme dans Stranger Things. Là, il voit que son mari s'est barré de prison. Là, putain, yes. Alex. Le gros Alex. Bâtard. Donc c'est l'enfant Alex Kidd. Oui. La blague est valide, c'est ça? Non, c'est l'autre. La blague est valide. C'est pas simple, vous savez. C'est pas simple de streamer. Non. C'est pas simple.
Et c'est pareil, là, donc depuis le début du jeu, on les voit dans cet avion. Donc c'est une scène qui se passe après. Et à un moment donné, dans le jeu, en fait. On revient à ce moment-là, quoi. Ouais. Exactement. Il y a, ce que j'aimais bien dans le jeu, c'est qu'il y a un côté très cinéma, en fait. Ouais, bien sûr. Ce serait bien qu'ils fassent d'autres jeux un peu dans ce délire-là. Coopération. Ouais, ouais, ouais. Puis le côté même cinéma avec des scènes de poursuite, voiture, action. Il y a beaucoup de jeux solo comme ça, mais en duo, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Voilà. Voilà, après, c'est de la coop, mais à distance, quoi. Sur écran partagé, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Ouais, sur en... Oui, oui, en... En local, en fait. Ouais. Après, forcément, le fait que le jeu ne puisse se jouer qu'uniquement à deux, ça peut peut-être être... Mais là, pour coup, tu vois, quand tu vois le succès d'un jeu comme It Take Two, j'aimerais vraiment qu'il fasse un It Take Two Two. It Take Two Two Two. Qu'est-ce que... Mais c'est vrai aussi. It Take Two, c'est comeback, quoi. Voilà. Ouais, donc là, je pense qu'ils vont... ils vont retrouver donc la femme d'Alex. Alors, je sais pas comment ils vont faire. Voilà. C'est une femme et un garçon, de cette taille. Ouais. Tu ne sais pas où ils vivent ? Ils ont dû bouger quand j'étais inside. I see. Let's just have a look around. Là, okay. On a la recherche de la femme d'Alex et son gamin. Donc là, là faut chercher. Trouver la famille de Léo. Oh yeah. Est-ce qu'on se sépare ou Là il y a des gens, c'est pas eux là. Ça fait un petit peu Manouchland là. Hein. What are you doing? I'm trying to forget. C'est nul. What are you trying to forget? I used to have three cars, two houses, and a beautiful, gorgeous wife, voilà. And a mistress. Now it's all gone. D'accord. Okay. Ah, il a l'air pas très intéressant le mien. Oh. Ah. That would do it. Bon, je me casse. Ta vie de merde ne m'intéresse pas. Oh putain, je suis tombé sur un alcoolique, quoi. Ah ouais ? Alors, attends. Ouais, tu me saoules, je me casse. Ouais, ah oui, d'accord. T'aimes pas les alcoolos ? Bah non, mais c'est qu'il voulait que je lui ramène de l'alcool avant de me donner une. J'ai dit non, c'est pas comme ça que ça marche, mec. Eh ouais, mec. Bon bah alors, là y'a quoi là? Je viens de là. Eh, strictement rien. You look upset. Oh, I am. I'm waiting for my goddamn husband. I'm gonna beat his ass. Cool. Have you seen him? Qu'est-ce qu'elle raconte, la dame? Bon, je... So why are you gonna beat his ass? He's been cheating on me. And nobody cheats on me. Ah bah, rien à foutre. Oh, ce Simonette s'est fait faire cocu, mais en même temps elle a une tronche de truie. Donc. Ah ben bravo. C'est un PNJ, je peux dire ce que je veux, on s'en fout. C'est vrai. C'est un peu crade le coin quand même, hein. Ah, c'est elle que t'as été voir. Ouais. Bah elle veut botter le cul à son mari parce que voilà, elle a trompé. Ouh, de la bouffe. Je mange une petite saucisse. Ah, ça a l'air dégueulasse. Madame, va falloir apprendre à faire le barbecue. Bon, le coin, ouais. Ah là, il y a un garage. Ah. Ouais, j'ai pas été là-bas non plus. Ah. Ah, ouais. Ah, je crois que... T'es rentré dans le garage ? Ouais, là, ouais. Et je pense que ça se passe là-bas. I think I see your kid down there. Let's check it out. Bon, j'ai trouvé ton gamin. Où est-ce que c'est ton gamin, hein, je te rappelle. Hein. Comment t'as pu le reconnaître? Ah, bon, en fait, il était juteux, quoi. Ah oui. Hey, où c'est ça? Yes. Bien vu. C'est quand même... c'est un peu... From nettoyer et tout ça. Hey, Linda. Tiens.
Malaise. Malaise. Cops. Ouais. Bah eux ils arrivent au bon moment. C'est ça ouais. Foiré. Petit malaise. Bonjour monsieur dame. Gendarmerie nationale. Ici Jérôme Potulacci. Robert Robuchet. Et avant toute chose, gazon de la paix. Stop calling me ma'am, okay? I have no clue where he is. T'as l'autre, elle l'a vu il y a 30 secondes, sans déconner. La menteuse. C'est con, hein, à 30 secondes près, il le baisait. C'est vrai. Bon, après, il y a plus de jeu, mais... C'est aussi vrai. Tu aurais pu faire une scène d'action, ou après, tu sais, pisse sur les policiers. We should be fine now. Right. Right. We good? Of course we are. You okay? Yeah, yeah, I'm fine. Good. Hey, Alex, look who's here. C'est qui ce connard? Hey, buddy. Le malaise. Oh, le malaise. Bizarre l'ambiance. Ouais. C'est parce qu'il a un gros nez puis des pattes. Don't worry, Leo. He's just a little bit upset. Non, bouge pas, je vais aller le cogner, je reviens. Yeah, he saw it in the papers. Pour le rire. It's okay, baby. Yeah, baby. So, is this the guy? Oui, mon ex. Yeah, this is Vincent. Vincent. Nice to meet you, ma'am. Hey. Linda, I need to tell you what's going down. Yes, but first, you need to go talk to Alex. Eh ben, c'est vrai qu'il nous reste. All right. Donc toi, tu vas aller parler au mioche pendant ce temps-là, je vais aller... Sauter ta femme. Non, je vais lancer des fléchettes, d'accord? Ok. Allez, va parler au gamin. Oui, moi, monsieur. Je... This was a great day. Ouais. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Encore un coup. Alors. Hey, Alex. Leave me alone. Oh, bah, il me fait chier, lui, à se barrer à chaque fois que j'arrive là. Allez, gamin. Bon, ça a loupé. le jeune est parti. Il se barre. Hey, Gérard, reviens. Ah, prends des fléchettes pour l'arrêter. Hey, I could use your help. Can you get something for me? You needed help with something? Those were happier times. Yeah, I do. Grab me a wrench from the shed over there, please. Allez à la cabane. Bon, je vais aller chercher une clé à molette à ta femme. Hein. Et c'est bizarre. Hein. Putain, je vais que dans la gueule. Madame. Here you go, ma'am. Thanks. All right. Want to start it up for me? Yeah, I could do that. Go ahead. Je sais pas ce que je dois faire, il me met à la cabane, c'est là la cabane. Ouais. Où je joue aux fléchettes en fait, non? Fuck. Yep, I'm the best. Eh, this game is not for me. J'ai rien compris. Ah, faut que tu m'attendes. Bah, faut essayer de démarrer la moto. Pourquoi t'appuies pas au bon moment? Bah, parce que c'est pas Sam. Voilà. Quand même. Quand même. Ah, j'avais pas compris, faut que j'aille à la cabane du gamin. Ouais, ouais.
Ouais, c'est magnifique. Ouais, hein. Mais tu m'expliques pas. Mais c'est pas mon gosse. C'est pas moi, j'irais ça. J'en voulais pas, moi, tu m'emmerdes. Tu peux arrêter de faire du bruit là. Ah, je te jure, hein, les jeunes. Come on, buddy. Come on, ah non, mais il veut toujours pas. Alex. Hey. Fais pas des trucs chelous avec ma femme. What's this? Hey look, your sign is broken. Why don't you come down and help me fix it? No? Bon, right. C'est, moi j'ai démarré sa moto, il m'emmerde. Don't worry, I'll fix it for you. Peut-être que tu me rejoignes, non? Ah, oh, let's oh. See. I think I'm gonna need a hammer. J'ai pas envie. Je peux lancer des fléchettes au pire. Non, non, je peux pas, hein. Et tu démerdes à ton gamin, t'as Il me faut un marteau pour réparer ça. Elle veut un marteau là? Ah, bah si, oui, voilà. Bah attends, je bois un coup, bois un coup. Je fais une petite pause, hein. Clope, petite bière. Lâche une caisse. Non, je peux faire tomber la cendre. Oh, this sign is beautiful. Alex, you should come down and see it. Ah, j'arrive. Je vais tomber la cendre là. Ça va, t'es pépouze à ta table? Ouais. Ah, oh bah, je disparais, super. Putain, je suis en train de faire un truc vital. Oh, c'est beau, hein. J'avoue, c'est beau. I love you so much. Tout ça parce que t'as remis en place une pancarte de merde. Sure. Ça va faire du basket avec ton mioche. Ouais, je m'occupe de ta femme. Ouais, avec une clé à molette que je mets dans la gueule. C'est pas bizarre. That could be fun, but maybe we should get going. Oh, come on, just one game. Allez, tiens, on va lui mettre de la misère. Ah ouais, ouais, je veux jouer au basket, moi. One game. Get ready to lose, boy. I'm gonna win. Non, non, je vais te mettre une branlée. Tu vas me servir de ballon, quoi. Alors. Ah! Attention. On peut le frapper, le gamin, ou... Non! Okay. Je peux prendre mon flingue? Ah, mais il est complètement nul à chier. Daddy, pass it to me. Ah, j'ai marqué, là, ou j'ai fait de la merde? Ah, je crois que le bas... Ouais. Y'a une mouche ou quoi? Je crois que le jeu a bugué. Daddy, tu veux pas faire une passe à ton gamin là? Ah, ficelle! Non, non, je joue tout seul, j'ai rien à branler moi. Ah non, il sait pas jouer avec un ballon. Faut que je fasse une passe. Voilà. Oh, la passe de merde. Allez, fais une passe. Merde! Fais une passe à ton mioche, pas au buisson, on a rien à branler. J'arrive. Arrête de pousser ce truc. Voilà! Ah, puis je vais frapper. Ouais, garde-le ton ballon. Alors, toi, tu vas faire de la merde, je le sens. Non, je vais faire une passe au mieux, je suis content. Vas-y, vas-y. Ça nous fera peut-être avancer dans le jeu. Allez, tiens, vas-y. Mais non. Allez, allez, gamin, marque. Attends, il va aller marquer une balle, il va être content. Je peux le contrer? Non. Aide-le. Oh, c'est nul. Sois humain, vieille salope. Voilà, il est content, hein. Il a oublié que son père c'est un délinquant qui finira en taule et qui va mourir. C'est pas bien mon cœur, gamin. C'est-à-dire qu'il finira pro alors qu'en fait il est petit et blanc. Il fera jamais de basket de sa vie. N'importe quoi. Okay. Regarde, la preuve derrière toi, regarde, pousse-toi. Là ici, là, les blancs ne savent pas sauter. Tu vois bien que les blancs savent jouer au basket. Ouais, mais c'était un acteur, elle se filme à 8 ans. 8 ans? T'es fou, il a 35 ans le film. Il a fait, voilà, donc c'est, ce n'est pas vrai. Mais joue donc au basket là. Ah oui, alors attends. Vas-y, pendant que tu nous roules une pelle à Simone là. Et toi le gosse là, tiens. Alex, not for long. Allez. Non, mais tu dis quoi, une merde. Ah merde, faut que j'avance avec elle. Pardon. Voilà, attends, je regardais jouer au basket, c'était tellement plus passionnant. Cet enculé là. Alex, here go. It is what it is. This is the. Et là, faut que je l'emmène où, Josiane, là? Allez à la caravane. Allez où, la caravane? I'm gonna set things ok, right. C'est ça, les gars. I'm going after Harvey.
He's not gonna get away with this. Ah mais tu tires comme une merde. Hein. Et Robert, ton gosse, c'est une merde. Il fait même pas un panier. Ouais, je peux me casser ou comment ça se passe là? Ah. Est-ce que je me fais chier avec ton gosse là? Il y en a qui m'en a branlé. Mais non, mais l'autre, il y a un mioche qui est complètement débile. Je la fous de jouer au basket là. Je sais pas, trouver faire un vrai métier, va vendre de la drogue dans les quartiers au moins. Qu'est-ce qu'on a à foutre? La blague est valide. Bon, alors, pour coucher sa femme, ils vont faire quoi? Pardon, c'est les nerfs. C'est les nerfs. Donc, qu'est-ce qu'elle nous sort? Ah bah l'autre, elle sort un bout de journal, qu'est-ce qui se passe? Ah non, là, bah super. Excusez-moi, madame, il est bizarre, votre stérilet. Elle lui a filé un fly. Ouais, mais t'avais qu'à sortir avec un mec bien aussi, connasse. Vous allez sortir avec un délinquant. Un drogué. Bah l'autre, ah, moi je mens comme un connard à un gamin. Ouais, attends, c'est le gamin d'un pauvre type, donc au bout d'un moment, hein, tu crois, je vais dire la vérité. Écoute, j'ai une vie de merde, je vais crever. Ta mère va finir entre toi, et toi tu finiras dealer certainement. Bienvenue dans ce monde. Oh mince. La blague est valide. Alright, buddy. Go to your mom now. Okay. Ouais, va voir ta mère. Alors. Ah, c'est beau. Autant qu'on a pas game là, c'est long là. Ouais, mais ils mettent en place un scénario. Ouais, c'est normal. Là, ça va être une des phases finales du jeu, presque. Hein. Non. Non. Dans mon souvenir, il y a encore pas mal de trucs à arriver. Hein. Yes. Ah non, non, je pense pas. De toute façon, je pense pas qu'on finira ce soir. Non, on finira pas ce soir. Mais là, on a 2 heures de stream. Alors, éventuellement, est-ce qu'on arrête ici? Enfin, je veux dire le jeu, puis on fait autre chose pour changer. Ouais, parce que honnêtement, je dirais qu'on est pas à la moitié, mais. Il reste quand même de quoi faire. Hein. Voilà, messieurs, dames. Pour cette belle soirée. Bah, c'est un peu quand même. Le mec, il s'enflamme. Il met la musique pour fort. Hein. Voilà pour cette petite soirée retour stream. Je vais me mettre en position comme ça. J'ai l'impression que ça saccade moi sur cette scène. Voilà, mon petit David. Je vois que t'es un peu au bout de ta vie là pour cette reprise, mais. On tourne à 3 heures de stream quand même, donc c'est pas mal. C'était cool, on s'est bien éclaté sur A Way Out au départ. C'est vraiment bien sympa. Et puis là, terminé tranquille sur Lego Star Wars, c'était sympa. Bonne remise aussi. En jambe pour le coup. Ouais, c'est ça. Bien fun. Donc, c'était cool. Prochain rendez-vous, je sais pas encore, faut qu'on se cale avec David. Incessamment sous peu, de toute façon. Ouais, je pense qu'on va se remettre ça rapidement. Ouais, carrément, ouais. Et voilà, non, en tout cas, c'était bien cool. C'était bien cool, et puis voilà, on va se dire au revoir là-dessus. Mon petit David, merci encore pour la soirée. Merci à toi pour l'invitation, c'était bien cool, donc on se retrouve très très vite pour continuer sur ces deux jeux notamment. Exactement. Et puis voilà. Merci à vous, merci à tous ceux qui sont venus faire un petit coucou, qui ont lâché des petits messages sur le chat. Ça fait plaisir. Donc écoutez, on vous dit à très vite. David, à très vite aussi. Ciao Jeff, merci encore pour l'invitation, à très vite. Pas de problème. Et puis à très bientôt sur ma chaîne. Salut tout le monde.